la peau des bêtes et avec elles sur leur piston leur sillage commençons par les furtives les indomptées celles qui ne seront ni domestiques ni complices c'est dans Album. bêtes elles sont anciennes elles ne seront pas domestiques. Elles apparaissent, disparaissent, proches, on les devine, elles sont signalées, supposées, repérées, guettées, épiées. Elles sont rousses ou fauves, ou couleur de terre, de feuilles, d'herbes mortes, de crépuscule. Elles auraient le ventre blanc. Elles égorgent, elles saignent, elles déchirent, elles déciment, elles s'emparent d'eux, elles ont faim. Elles enlèvent, elles fondent du ciel tombé de lui comme une pierre. Elles tournoient longuement dans le silence de l'air et se juchent, menues, immémoriales, aiguës, sur les piquets de clôture au bord de la route d'Alanche. Elles bondissent, se faufilent. On les saisit de l'œil à peine, en mirage têtu, en image parfaite. Elles seraient stupides en trophée. Elles mijotent en civet, elles rôtissent en cuisseaux, on les convoite en pâtés, terrines, fricassés. Elles brament et sont en amour violente, bois contre bois, au rendez-vous des automnes. Elles fureux, clouées, crucifiées contre la porte des granges cathédrales. Elles glapissent, hululent, grommellent, grognent, couinent, coassent, sifflent, elles appellent, elles crient leurs paroles obscures. Elles laissent traces ou lisibles déjections au pied de l'arbre, au coude du sentier, dans la neige, dans la rosée. Elles gîtent. Cachées, elles élisent domicile. Elles se terrent, se juchent. Elles hibernent seules ou à plusieurs. La nuit, elles s'affairent à l'envers de notre sommeil dans ses plis. On les ignore. On ne les saura pas. Elle se rit, se joue. Les pays leur appartiennent. Les pays leur appartiennent. Ils appartiennent aux cerfs de Claudie Hunzinger qui ruminent des poèmes dans Les grands cerfs. Ils appartiennent aux sangliers de Pierre Bergouniou qui fait des pointes nimbées de taffetas blancs dans Chasseurs à la manque. Tout d'abord, les serres. Tout ce qu'il se passe la nuit, tout ce qui d'eux nous échappe la nuit. Sans doute un langage très fin d'attitude, mouvement de museau, d'oreille, regard, toute une façon de se situer, d'occuper l'espace, de tenir sa tête ou de vibrer tout simplement de vibrer. Comme un sismographe à l'approche d'une menace, et alors tous volatilisés. Et une façon aussi de ruminer, car je me suis toujours demandé si la rumination, qui est la régurgitation des plantes broutées sur le qui-vive et stockées dans leur estomac en attente d'un moment plus calme, je me suis toujours demandé si ces interminables mastications, N'était pas une lecture, puis une relecture, puis une re-relecture à pleine bouche du poème de la montagne par les cerfs. Ça nous arrive bien quand nous aimons un poème. On le lit souvent trois fois. On le mastique pour l'apprendre par cœur. On le marmonne pour l'incorporer. On le régurgite et puis on le réavale pour le devenir. Le sanglier de Pierre Bergogneau. Je suis en train d'étendre la lessive derrière la maison qui jouxte un bois communal en fin d'après-midi. Il se produit un froissement et l'épée roncier, tout près, s'ouvre sur une énorme bête noire. Le mot est venu tout seul, tout bas. Qui s'immobilise à dix pas de moi, une chemise mouillée à la main, la pince à linge dans l'autre. L'animal me jette un regard, marque un temps d'arrêt, puis, me jugeant inoffensif, négligeable, se met à trottiner sur les petits sabots qui lui font une démarche de ballerine, mais qui, au lieu d'un corps élancé, nimbé de taffetas blanc, serait encombré d'une lourde carcasse en forme de coin hérissé de longs poils rêches et pourvu avec ça d'une paire de fortes défenses jouant sur les grès j'ai pensé que mon visiteur allait s'évanouir aussi soudainement qu'il avait surgi que le temps interstitiel latéral ou rêvé qui nous remet en présence des bêtes était déjà écoulé pas du tout il faisait des pointes autour du fourré, reprenait sa danse, et j'ai fait la même constatation qu'avec un chevreuil que j'avais tenu, lui, en joue avant de le laisser aller. La même créature, d'un noir intense, comme ancrée ou taillée dans de la nuit, adoptait, l'instant d'après, la teinte terne du sous-bois. Le quintal de muscles au bas mot qu'elle pesait, était évanoui. Puis l'œil, qui projetait un peu au hasard sa forme sauvage devant lui, la voyait se remplir un peu plus loin, affairée, comique, obstinée. L'animal a tourné un quart d'heure sous mon nez. J'ai pensé qu'il allait se bauger dans les ronces, qu'on passerait la nuit à quelques pas l'un de l'autre en paix. Mais quelque chose ne lui convenait pas. Il a grogné, puis sans hâte, c'est perdu dans le sous-bois. Voilà. Voilà un chevreuil, le mien. C'est le chevreuil du 29 mars 2020. C'est le chevreuil du premier confinement. Un chevreuil inédit. Hier, au réveil, sous la fenêtre de ma chambre devant la maison dans le soleil exactement un chevreuil, frémissant, apparu, à l'arrêt, campé, figé, devant la voiture de mon neveu, la contournant à pas menus, la flairant, tendant le museau, effleurant le rétroviseur. Que voit le chevreuil de saint-amandin dans le rétroviseur de la voiture parisienne de mon neveu quel frisson le traverse au contact de cette surface lisse inerte inusitée Je suis aux aguets derrière la fenêtre de ma chambre que je n'ouvre surtout pas ça le mettrait en déroute le corps du chevreuil est vigoureux son pelage est bi presque moiré dans la lumière neuve, ses pattes sont grêles, son cul est blanc, insolemment, d'un blanc dru qui signale à la fois sa présence et sa fuite quand on le surprend au crépuscule, dans un pré ou au détour d'un chemin. Il longe la voiture, se campe à nouveau, irrésolu, peut-être perplexe. Je ne sais rien de la perplexité des chevreuils, terra incognita. Enfin, il se détourne noblement, il est grand prince, il renonce à l'automobile et à ses pompes, il préfère ne pas, il s'abstient, il passe, il glisse, il prend le large, il retourne à la sauvagine, il disparaît de mon champ de vision, je ne bouge pas, il disparaît, il a disparu, il a été là. Plus tard, dans la journée, je me suis approché du rétroviseur gauche de la voiture de mon neveu. Me suis penchée, n'y ai vu que mon propre museau humain, me suis retirée, presque déçue, et comme prise en flagrant délit de vivace magie. Quittons la vivace magie de la sauvagine pour les bêtes familières, les apprivoisées, les dociles, les plus ou moins dociles. Au premier chef, on ne saurait s'en passer les chiens. D'abord, Denise, la chienne de Michel Julien dans Denise au Ventoux. Denise est un grand chien, c'est un bouvier bernois. Et quand le livre de Michel Julien s'ouvre, Denise dort. Sur le canapé. Je n'aurais pas pu m'asseoir. Denise occupait le canapé. allongée d'un bord à l'autre, couchée sur le dos, la colonne n'importe comment, grande scoliose indolente, le bas ventre nu sous le grand toboggan du thorax, le gros du ventre aussi, le péritoine offert avec, plus bas, ses lignes de tétons, et elle en avait tant. Rosy, en chemin de pie, double fortin, des mamelles dans le crin, petit plot fripé, la vulve en cul de poule, au partage des cuisses creusées d'un incarnat blanchâtre, là où manque son pelage naturel, une plaque qui ressemblait aux maladies, teinte crevette. Le cou cassé sur la coudoir, sa tête de chien, Déjeté sur le débord d'un coussin solidaire du convertible, une babine s'affaissant sous son propre poids, découvrant une cordillère de canines et de molaires, comme une géologie de pics et d'aiguilles blanches, un diorama plus tellement blanche, teinte mastique à cinq ans. Tous les chiens ont en bouche une chaîne des Alpes. Denise, donc, dort à à cinq ans. Il est difficile de croire en la totale sincérité du sommeil canin. On s'y fait prendre. Rien ne réveillerait l'animal. Dix gamins à la fête s'agitent autour en braillant avec des turlututus. Des turlututus leurs seaux, des costumes, des manèges, tant qu'ils vont, leurs barouf-bas sont pleins lorsque soudain, en pleine cacophonie d'anniversaire, survient le petit cliquetis des clés dans la serrure. Un bruit infinitésimal, noyé par le reste, bénin, toutefois féreux, venu de la porte, le maître revenant, la bête se redressant, avec cette éveillée fraîcheur au rictus de la gueule qu'ont les princesses ayant dormi mille ans. Denise est une princesse citadine qui découvre le Ventoux. Mes chiens sont roturiers et agricoles. Ils ne découvriront jamais le Ventoux. Chien dans album. Les chiens sont nombreux, de toutes sortes et accabis rarement aristocratiques sans mêler en mêlée, croisés chiens approximatifs plantés dans le paysage greffés sur lui cousus issus du sol apparus premier comme un peuple aborigène autochtone hirsute touffu et bruyants, car ils aboient dans le fin fond des pays dans leurs replis les plus confidentiels les plus recueillis les chiens surgissent et locasse, jappe, gueule, éructe, hoquette, gémisse ou gêne ou, dans d'extrêmes occasions, se répandent en hurlements inqualifiables. Ils, les chiens, ont des petits noms que nous ne connaîtrons pas. Des mains d'enfants ou de vieilles gens les caressent peut-être entre les deux oreilles ou sur le poitrail. Ou leur donne de minces tartines adroitement confectionnées, ou des bonbons, ou des carrés de chocolat qui améliorent le fricot et consolent des brutales avanies de l'ordinaire canin. Ces chiens seraient de compagnie, regarderaient les actualités régionales sur FR3 et dormiraient sous la table et joueraient au ballon les soirs d'été. Le plus souvent, cependant. Le chien de campagne se rend utile. Il travaille, lui. Il est important, il veille, il surveille, véloce, chargé de sempiternelles mission. Il va chercher et il garde les biens et les bêtes, les autres bêtes. Les bêtes à cornes, les bêtes pour le lait, les bêtes pour la viande, qui le craignent et n'en peuvent mais. Parfois, le chien, mal morigéné, sort de ses gonds farouche la volaille, la met en déroute, chaparde les œufs, ou dépaisse la dinde esselée, ou mord le facteur. On se récrit, on sévit, le chien est puni, gare son arrière-train et baisse les oreilles jusqu'à la prochaine alerte. Il connaît le monde et ses usages. Né dans la grange, sous les engins remisés, choisi ou noyé, miraculé, survivant. Le chien rural est philosophe cynique impertinent tendance dissimulée. Ces chiens ont la passion coupable des voitures, des tracteurs, des équipages, des attelages, des motos, vélos, vélomoteurs. Et d'accompagner, de suivre, de poursuivre, de précéder, de mordre l'air sonore, de crocher dans le pneu, dans la gomme, dans la viande, dans le morceau. Jusqu'à rouler et rembouler, au fossé parfois, toucher, couler. Les chiens se collent, s'accollent, sans cérémonie, au milieu de la cour ou du chemin. Ils gênent, ils énervent, ils sont incongrus. Les enfants les montrent du doigt, ne comprennent pas tout, poseraient des questions. On chasse les impétrants qui grognent, chaotent, et vont conclure un peu plus loin leur affaire sans se démonter. Les chiens rient de toutes leurs dents, à gueule fendue, comme on dirait à gorge déployée, et leur langue rose lui. Les chiens de mon pays sont les guetteurs tendus, corps infatigables, de quelque chose qui doit venir et n'advient pas qu'il ne faut pas manquer, pas laisser passer. Les chiens attendent, ils mordent de la neige. Évidemment, on ne saurait conclure sans les vaches. C'est dans l'annonce, c'est l'hiver, c'est l'hiver à Fridière. Au Perché, Cantal. Paul, sa sœur Nicole et les oncles s'occupent des vaches. À l'étable, célèbre le culte des vaches. Annette est une étrangère. Elle vient d'ailleurs. L'étable était un étrange territoire. Annette s'y aventurait peu. Consciente de n'avoir rien à y faire et de s'y montrer sous son pire jour, celui d'une créature parasitaire dont le maintien dans la place ne reposait, sur le mal, ne reposait que sur le mâle caprice de Paul, le frère, le neveu. L'étable annihilait les corps étrangers. La Comparaison ne s'y soutenait pas avec Nicole et les oncles, stupéfiant trio de génies autochtones qui semblaient trouver dans ce boyau parcouru de remuements tièdes et de robustes odeurs un lieu à leur juste mesure. Souverains et imperturbables, ils glissaient, se mouvaient, apparaissaient, disparaissaient, chaussés de bottes rousses, gainés de combinaisons, recueillis dans l'accomplissement de l'ancestrale mission le soin des bêtes le soin des bêtes ne souffrait aucun délai, rien jamais ne devait faire obstacle au rituel dont les horaires étaient implacables et les phases successives consacrées par l'usage les bêtes impavides se montraient promptes à réclamer leur dû et sûres de leur droit à être comblées de mille attentions tous, Paul y compris communiaient dans le culte familial. À Fridière, ça se disait dans le pays, les bêtes étaient traitées comme nulle part ailleurs et même, on le laissait entendre à mots couverts, mieux que les gens. Dans la pénombre de l'étable, la frange rouge de Nicole luisait sombrement et semblait une émanation humaine des robes suaves, bouclées par place, cuivrées et chatoyantes, carboraient en majesté les salaires du troupeau. Acajou. C'était la nuance, précisait Nicole, qui n'hésitait pas à revendiquer ce mimétisme capillaire. Tous, les quatre, parlaient entre eux des bêtes comme ils l'eussent fait de personne. Les bêtes étaient tour à tour détraquées par l'orage, tracassées par les moustiques, bousculées par le passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Effarée par les mugissements insistants de la nouvelle machine à traire, incommodée en cas de printemps ou d'arrière-saison trop pluvieux par le mauvais état des chemins boueux qu'elle suivait, s'égrenant posément au sortir de l'étable pour aller au pré. Rien ne pouvait égaler en infamie le dérangement causé par la présence dans l'étable à l'heure de la traite. Des techniciens chargés des investigations préconisées par la direction départementale des services vétérinaires. Paul, pour d'obscurs prétextes connus de lui seul, changeait-il de fournisseur de luzerne, friandise suprême destinée à rompre la fâcheuse monotonie du régime alimentaire de ces dames, que se tenait aussitôt entre Nicole et les oncles? des conciliabules rageurs. Les bêtes ne s'y retrouvaient pas, on les sentait dubitatives, elles manquaient d'entrain, on les soupçonnait de frôler la dépression ou la mutinerie. Les oncles plaidaient leur cause. Les bêtes étaient comme ça elles aimaient leur routine et craignaient tout changement, si mince fut il. C'était mieux avant. Eût été l'adage favori des bêtes, si elles avaient eu le don de parole. D'ailleurs, les oncles l'assuraient. Certaines d'entre elles, plus futées ou plus hardies, comme il arrive pour les êtres humains, se faisaient parfaitement comprendre. C'était une question de temps. Mais les gens, les jeunes surtout, étaient toujours trop pressés. Et c'était aussi une question de façon. Il fallait avoir bonne façon. On ne parlait pas de don mais de façon bonne ou mauvaise, on l'avait ou on ne l'avait pas. Ça se voyait très vite, dès l'enfance, ça ne s'apprenait pas, c'était irrémédiable. Les bêtes, les vaches, sont irrémédiables. Elles ruminent, moi aussi, nous aussi, bonne rumination.